Dans cette vidéo, je vous partage un UHC Minecraft qui m'a été concocté spécialement pour le jour de mon anniversaire. J'étais au courant de rien, ni du mode de jeu, ni de ce qu'il allait falloir faire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai pas été déçu. Et les viewers non plus d'ailleurs, vous allez voir. Si vous aimez ce type de concept un peu différent et plus marrant sur Minecraft, pensez à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, c'est parti. Bon, j'espère que ça va être sympa comme game. Vous me direz dans le chat ce que vous en pensez et tout, mais on va voir. C'est un UHC un peu particulier, donc forcément, voilà, on va essayer de prendre un petit peu notre temps. Mais je pense que ça peut être cool pour la découverte, etc. Et on va profiter de ce que les autres ont préparé parce qu'il y a un ressource pack qui est custom qui est directement intégré au serveur, donc on va profiter avec ça. J'ai très vite capté qu'il s'agissait d'une version un peu remasterisée du Panini UHC. Alors si ça vous dit absolument rien, en gros c'est un concept qu'on avait sorti en août 2022 qui mélangeait le côté survie et PVP de l'UHC à un côté recherche et collection de cartes qui apportent des pouvoirs. Genre tu peux obtenir des cartes en faisant certaines actions dans le jeu, comme par exemple réussir les objectifs du jeu, tuer des mobs, miner du diamant, or et j'en passe. Et quand tu complètes une collection complète, c'est-à-dire récolter l'intégralité des cartes qui complètent une image entière, tu obtiens un pouvoir qui t'aidera à survivre dans ce Battle Royale. Et même peut-être l'emporter. Ici, c'est visiblement le même type de jeu. On va devoir récolter des cartes pour compléter des collections. Sauf que ces collections, j'ai l'impression qu'elles sont un peu bizarres, non? Enfin, comme si c'était genre des photos dossiers de moi. Enfin, voilà, je... Si vous voulez pas rater tous ces événements-là, pensez à suivre ma chaîne Twitch. J'y suis en live tous les jours à partir de 18h avec beaucoup de Minecraft. C'est en description. Bref, allez, profitez bien des dossiers. Hein. C'est parti pour cette UHC, un petit peu spécial. On va découvrir tout ça. Oh non. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, en gros, je vous explique, j'ai un classeur que vous voyez là. Ce classeur, quand je l'ouvre, vous voyez, il y a plein de catégories de cartes qui se retrouvent là. Donc, cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc. Il y en a 171 au total. Et du coup, l'objectif, ça va être en fait de remplir ces catégories-là. Donc, la catégorie héros 1, héros 2, héros 3, etc. Et en fait, en remplissant une catégorie totale, ça va me permettre en fait de me débloquer des pouvoirs. Bon, et comme c'est mon anniversaire, j'ai le droit à un petit cadeau, non? Du coup, cette vidéo est en partenariat avec World of Warship, un jeu disponible sur PC et PlayStation 4. Un jeu gratuit dans lequel vous pourrez affronter vos amis ou d'autres joueurs dans des batailles navales en équipe qui nécessitent un jeu de stratégie et de la tactique. Vous piloterez un navire au sein d'une équipe. Le but de la partie sera d'obtenir le plus de points en contrôlant des zones, en détruisant les navires adverses, tout ça dans une partie de 20 minutes maximum à chaque fois. Plus de 500 navires historiques sont disponibles dans le jeu, répartis entre 11 nations différentes. Vous pourrez incarner 4 classes de navires différents, torpilleurs, croiseurs, cuirassés et porte-avions, chacun offrant une expérience de jeu différente. Et puis d'ailleurs, vous pouvez les personnaliser à votre guise. Le jeu propose des cartes magnifiques, des paysages uniques, vivants, c'est-à-dire que le temps changera pendant les batailles par exemple. Bref, en gros, si vous cherchez un jeu de stratégie avec des parties plus ou moins rapides, sur lequel vous pouvez vous poser quand vous avez une petite demi-heure par exemple, et ben ça tombe bien, parce que si vous vous enregistrez avec un compte via le lien en description, vous obtiendrez un pack de démarrage exclusif d'une valeur de 25€. Ce pack vous offrira 7 jours de compte premium, 2 millions de crédits, 500 doublons qui est la monnaie premium du jeu, un navire de rang 4 et 6 points de compétences commandant. Bref, c'est le moment ou jamais. Encore merci à World of Warship, car grâce à eux, on va pouvoir faire une cité fin juin. Et voilà, celle-là, vous vous y attendiez pas, hein? Ah, et voilà du coup, notre petit... Non, qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends, faut que je... Oh non. Ah les bâtards, ok, ah les bâtards. La catégorie, la photo vintage guild. Non mais attends, mais ils ont dû demander à l'eau des photos de ouf, hein, je pense, hein. Ah, vous allez découvrir des dossiers de ouf sur moi. Oh, mais merde, vous allez avoir tellement de dossiers sur moi, c'est une dinguerie. Et en gros, vous avez vu, regardez, des fois quand je mine de la stone ou des trucs comme ça, ça me donne des cartes. Et en fait, en gros, le but, c'est d'utiliser ces cartes pour remplir notre classeur qui est là. Regardez par exemple là, ça va être quoi? Ah, c'est dans la catégorie loot, voilà, j'ai le vintage guild. Mec, cette photo elle date de 2016, mec. Voilà, en gros, l'objectif c'est du coup d'obtenir des cartes en tuant des mobs, en minant des minerais, etc. pour compléter tout ça. Alors, c'est des cartes qui sont du coup spéciales. Et donc, j'ai là par exemple, j'ai des petits boosters. Et normalement, c'est censé voilà me donner des cartes aléatoires. Alors, fais voir. Ah, ça y est, ça marche. Le beau costume, nice ass. Qu'est-ce que. Poignée flexible. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et donc du coup j'ai eu des cartes. La carte esprit shonen. Ok, ah oui, c'est une photo où je dois être c'est une photo de la Zilan, ça, non? C'est une photo de la Zilan, je vois, je reconnais mon pull que j'avais à la Zilan à l'époque. Le beau costume. Il faut que je complète les photos, c'est incroyable, c'est un puzzle en fait. Nice. Ah, ça, je veux pas savoir ce que c'est, ça, par contre. Ça, je veux pas savoir ce que c'est. Ça, je veux pas savoir. Poignée flexible, mec, je veux savoir. Je veux voir toutes les cartes à la fin. Et du coup, quand on complétera une collection complète, eh ben ça nous donnera un pouvoir dans la partie qui sera donc soit par exemple de la vie en plus, soit la possibilité de changer les biomes, les chunks, etc. Voilà, mais je vous avoue que là le PVP n'est pas ma priorité dans cette game là. Pour être tout à fait honnête, je vais plutôt profiter, on va dire, de la game en fait, hein, directement enfin du classeur. Je vais essayer de tout compléter, etc. Oh, ça y est. Je sais pas c'est quoi, je vois la carte là-haut, je sais pas c'est quoi, mais aussi un système de pièces, mesdames et messieurs, qu'on peut obtenir des cheveux en bordel. Mais c'est quoi? Pourquoi il y a une touffe de cheveux là en haut? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est pas mal en vrai, c'est pas mal. On va essayer juste de découvrir un peu les photos. Bon, vous allez sûrement avoir des gros dossiers, et moi je vais me souvenir de vieilles photos que j'ai pas vues depuis très longtemps, je pense. Du coup, voilà, il y a un système
de pièces. Et avec ces pièces là je pourrais acheter au 0-0 des petites cartes. Alors là je vais miner du copper. Ok, parce que le copper, mesdames et messieurs, le copper, le charbon et trucs comme ça, en fait ce sont des minerais en fait qui ont un pourcentage de drop. Petit coup de soleil sur l'épaule en Espagne. Oh, je me souviens de cette photo. Oh, Yami, placard entrouvert 1. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça, mes mecs? Je nommais. Ah mais oui, c'est pour la collection loot. Vous allez avoir la photo complète à la fin. Cette photo, il faut savoir qu'en gros, je vais expliquer d'où ça vient quand même pour histoire de, hein. C'est une photo qu'on a prise en 2016 parce qu'on avait un court-métrage à tourner. Et donc dans ce petit film, ce petit court-métrage, moi j'étais acteur dedans, bien sûr, avec mes talents d'acteur que vous connaissez bien sûr. Et du coup, cette photo est restée. Voilà, parce que ça venait de là. Mais bon, j'étais jeune, hein, dans cette photo. Enfin, j'étais jeune, j'étais beaucoup plus jeune que ça, quoi. J'avais 18 ans, là j'en ai 24, donc forcément, c'était il y a un petit moment, quoi. C'était ma première année après le bac. L'année de sortie de LG1 d'ailleurs, voilà. Je vais tuer ma smoke parce que moi j'ai envie d'avoir de la bouffe. Bon, après, on en a, mais c'est surtout j'ai envie d'avoir des cartes. Oh, c'est quoi? C'est le fanart qui est là derrière. Ah, il y a des fanarts aussi de... Oh non. Pas cette photo, non, pas cette photo. Va falloir que j'aille miner par contre, hein, je pense, parce que là on est quand même à 11 minutes de jeu, va falloir que j'aille cave. Est-ce que j'ai le droit d'avoir des cartes moi aussi ou... Ah voilà, si la concentration avait un visage... Oh non. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est moi qui dessine sur Gartic Phone, ça je crois, non? J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère qu'on va pouvoir compléter les collections. Ok, la belle chemise, le beau costume, la belle chemise, d'accord. Va falloir que je trouve du diamant, ça, parce que sinon on est là jusqu'à minuit 30, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Nice ass. Donc c'est une autre. Ok, l'autre collection. J'ai aucune idée des photos. Pour être tout à fait honnête, là j'ai aucune idée des photos que c'est. Ah oui, effectivement. Ah bah oui, c'était le même que j'avais du coup. Bah du coup on va juste sacrifier et échanger. Et oui, parce que du coup je peux échanger des cartes. C'est-à-dire que là en gros j'ai mis sur le marché l'une de mes cartes que j'avais en doublon. Et donc dans 5 minutes exactement, donc c'est-à-dire à 20 minutes à droite et toutes les 5 minutes ça va se passer comme ça, donc 20 minutes, 25 minutes, etc. Je pourrais obtenir une carte d'un autre joueur de la partie qui lui aussi, enfin qui lui aussi aura mis dans ce marché, qui l'aura mis à sacrifier. Bon, en tout cas, le principe est fun, rigolo, ça change. Franchement, pour l'instant, merci Lapin, merci Choka pour ça, c'est vraiment une bonne idée, ça change un peu, donc c'est cool. Ok, donc ça, c'est la photo du costume au mariage. Gilet un peu ouvert à Grenoble, non mais mec. En fait, là, j'ai honte en fait des photos que vous allez voir parce que c'est des photos, mais j'avais 18 ans, je savais même pas m'habiller. Bon, après, il y a des fois, je sais toujours pas m'habiller aujourd'hui. C'est ça le truc, là, j'avais vraiment des problèmes. Vous allez voir des photos de moi, mais j'ai honte de vous montrer ces photos là en fait. Je suis bien. Je sais c'est quoi cette photo. C'est nos vacances en septembre dernier avec Lapin, Jim et tout ça. La photo est incroyable, genre Jim, c'est trop marrant. Ah merci Jimmy Boy, bien sûr, pour cette tête. Jimmy Boy, streamer Minecraft également, que vous connaissez peut-être. Une des personnes que j'apprécie le plus au monde. Donc, du coup, ah voilà, ok, le fan art qui continue. Sketch, c'est très fort, Sketch. J'aimerais vraiment avoir Sketch. Ok, si elle a Grenoble, putain, la carte de fou là. Waouh, eh, ça c'est de la carte, hein. Celle-là, elle a dû être dure à faire, hein, je pense, hein. Rayon bonbon. Oh, je sais. Oh merde. Ok. Ok, ça c'est une photo en Espagne encore. Quand j'étais avec Lapin en vacances. Ok, Gilipologa by Lowell. Ok, donc ça là c'est. Ok, ça c'est le fan art. Je le connais. Je m'en souviens plus très bien. Je crois qu'il y a Yami et Kira dessus. Oh non, t'es un fils de. Non, t'es un bâtard. Non, t'as vraiment mis ça. Alors Lapin vient de mettre une photo de moi à l'époque. Il y avait un certain soir, comme vous savez, certains de ces soirs là où vous essayez tous les trucs qui se trouvent sur vos téléphones où vous faites chier. Et il est possible que j'avais testé il y a quelques temps. Enfin, il y a quelques années maintenant, parce que c'était une photo qui date au moins de 2016, voire avant. J'avais essayé tous les filtres Snap. En plus, je la connais bien cette carte, hein. Je sais très bien c'est quoi. OMG Guild l'alcoolique. C'est bien, ils se sont emmerdés à donner un nom à chaque carte. J'aime bien en vrai. Aïe aïe aïe, mais j'aimerais bien savoir. Végétation, je l'avais pas. Le rouge F, c'est fini maintenant. Non, t'es un bâtard, ça y est frère. Putain, les dossiers de fou que vous allez avoir, mais c'est pas possible. Oh non, 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 la photo horrible qui arrive là. Non, non. Oh, on va bientôt arriver au 100 cartes, hein, mine de rien. Ça avance petit à petit là. On est à 30 minutes, j'ai pas un seul truc de stuff, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Allez, encore des cartes, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur, le jeu vidéo. Ah, soigneuse chevelure. Qu'est-ce que c'est que cette photo? Qu'est-ce que c'est que cette photo? Guilello, oh non. Je sais c'est quoi cette carte. C'est encore un filtre snap de mort. Putain. Ouah mec, ma tête est horrible. Mais mec, j'ai 12 ans sur cette photo. Non mais c'est pas possible, j'ai 12 ans. Non mais j'ai 12 ans, je peux pas croire que c'est moi sur cette photo. Je peux pas croire que c'est moi. Non mais mec, là tu m'as affiché de ouf. Les cartes loot, c'est les cartes dossier. En gros, c'est ce qu'il faut retenir, c'est les cartes loot, c'est les cartes dossier. Je vais encore casser tous les petits filons de copper que je vois là parce que ça a quand même un bon pourcentage de dropper, donc on va quand même se faire plaisir en essayant de dropper des cartes, je pense. Sans dire le micro, de n'oubliez pas les paroles, c'est rigolo quand même. J'aimerais avoir plus de cartes en vrai, des cartes vraiment pour tout compléter là, ça ferait plaisir. Bon, par contre, ça me fait pas mal de petites pièces tout ça, donc c'est cool. On pourra aller acheter des classeurs. Je me demande même si je vais pas aller acheter des classeurs tout de suite en fait. Genre littéralement des boosters, comme ça au moins je me chope des bonnes petites cartes. Je pense qu'on peut faire ça éventuellement, hein. Comme ça moi je peux revendre et tout. J'aimerais bien aller acheter des classeurs. Alors, j'en ai combien? Bon, je peux pas en acheter beaucoup, mais bon, écoutez, on va acheter des pochettes classiques. Alors attention. Non, je l'ai déjà. Non, je l'ai déjà. Ok, je l'ai pas. Oh, Martin le beau gosse. Ok, la suivante. Ok, une que j'avais déjà. Une que j'avais déjà aussi, mais j'ai que des doublons, c'est trop nul. Je vais en racheter, hein, c'est pas grave. Ah ouais, j'ai vraiment que des doublons quoi. Ah, une que je n'avais pas. Fashion faux pas, je ne sais pas c'est quoi. Non, putain, pas cette photo. Non,
Non, pas cette photo. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle, Yayou. Elle est trop belle. Ok, une que je n'avais pas. Une que je n'avais pas non plus. Oh, j'ai enchaîné plein de cartes que je n'avais pas. Ok, c'est cool. C'est cool. Non, on est à 92 cartes. On a une collection qui est bientôt complétée ici. Bon, elle, c'est mort. Je pense que je l'aurai jamais. Héros, ça va être compliqué. Loot, je peux l'avoir. Oh, Sen, je vais les avoir. Let's go. Il manque la carte finale pour finir la collection avec le costume. Ici aussi, c'est bientôt fini. C'est quand que Sketch se termine? T'as un Sketch, c'est long, mec. Un Sketch, c'est long de ouf. Hein. Faudrait vraiment que je finisse Sketch. Hein. Je vais aller m'occuper du minage. Je rachèterai le reste. Hein. Voilà, les caves. Faut que je me trouve une petite cave ici. Hein, quand même, hein. Pas très loin. Genre une petite grotte là, c'est parfait. Même en vrai, je creuse comme ça. Hein. Au bout de combien de temps vais-je avoir mon premier diamant? Ah bah, pas tout de suite parce que je vais miner un peu Scoper. Je suis trop fan de. Ok, une carte que je n'avais pas. J'ai vraiment envie de surkiffer ma vie, de prendre mon temps et tout. Je trouve ça trop cool. Deux mecs et la mer en Espagne. Une carte que je n'avais pas. On va dépasser les 100 cartes uniques hein, quand même. Hein. Si on continue comme ça, on est vraiment bien. Hein. Cobblestone IRL, je l'avais. Ah non, je l'avais pas. J'espère que je vais avoir du diams assez rapidement quand même. Hein. Parce que là, déjà, bon, ça fait 48 minutes que je joue, je suis full fer. Donc bon, j'ai envie de te dire, j'espère comment ça va se rattraper quoi. J'aimerais bien finir Sketch. Sketch 1 qui permettait de copier des cartes d'un classeur de l'adversaire et donc de compléter d'autres collections. Oh là là, ma tête de merde. Non, oh, t'es un bâtard lapin. Non. J'avais vraiment 18 ans, même pas. J'avais 16 ans, 17 ans quand cette photo est là. Attends, mais même pas en fait. Alors peut-être qu'on n'aura pas besoin de diamants les gars. Alors peut-être qu'on n'aura pas besoin de faire l'enchant en fait. Déjà le mineshaft il est très intéressant. Le mineshaft est vraiment très intéressant donc on va récupérer 4 temps. Par contre c'est vraiment beau hein. Cette cave elle est vraiment belle. Hein. Ok, le gobelet maudit, ouais. Ah ouais, là tu peux le dire mec hein. Perdu 10 000 balles sur ça quand même hein. Mais je pense que ce que je ferais c'est que j'achèterais des bouquins personnalisés pour finir Sketch etc. Oh Pikachu en légende qu'on n'a pas. Ok, des cartes en doublon c'est pas grave. Let's go. On est à 110 cartes, j'ai vraiment envie d'aller voir au fond de ce deep dark. Oh, il y a encore du diamant là. Donnez-moi plus de diams là. Mais faites mieux que ça enfin là. Mais donnez-moi plus de choses que ça. Moi je veux avoir plus de choses là. Ok, donnez-moi des cartes là monsieur. Oh la chatte, j'ai une pochette. Ok, une carte que je n'avais pas. Une carte que je n'avais pas. Une carte que je n'avais pas. Mec c'est incroyable. Une carte que je n'avais pas. Non mais mec c'est incroyable. Que des cartes que je n'avais pas. Alors on va pouvoir regarder les photos. Oh mais il manque tellement rien pour elle, il manque tellement rien. Oh les gars, on va les compléter ces collections, je vous le dis mon gars. Sketch on a quasiment terminé aussi, biome aussi on a terminé. Bon par contre ouais, là on est bien. En vrai ça fait plaisir parce que du coup on va avoir déjà l'enchant. Ouais voilà, déjà c'est une bonne chose hein. Quand même on va avoir l'enchant au bout d'une heure. Plus 1 kilo. On va pouvoir faire la table d'enchant ici. Il va falloir que je casse les spawners à Warden hein, si jamais hein. Là c'est dur là non. On va pas trop s'amuser avec le Warden, je crois. On va pas trop s'éclater avec lui. Je veux juste faire ma table d'enchant, moi. Je veux juste faire ma table d'enchant, moi. Je veux pas grand chose. Je veux juste faire ma table d'enchant. Ok, alors du coup, ça, la table d'enchant. Hop. Franchement, on se débrouille plutôt bien. J'ai cru que c'était du diamant au-dessus. J'ai trop le seum. Ah, méga Nesquik, let's go. Ouais, en gros, c'est une photo, ça, qu'on avait pris avec Lapin en Espagne. Parce qu'on est parti en vacances ensemble. On est tellement parti ensemble en vacances avec Lapin. En vrai, le Deep Dark, ça va être tellement niveau XP, en fait. Merci le Deep Dark pour les travaux, hein. Franchement, là. Oh. And we got some diamonds. Oh, let's go, on va pouvoir se faire notre deuxième pièce en diams, je pense. Un tout petit peu de diams, un peu de fer, et on a fini notre stuff. Après, il manquera juste des pommes d'or, mais c'est ok ça. Il me manque vraiment plus beaucoup de cartes, hein, regardez. Il me manque une trentaine de cartes environ. Donc, franchement, on n'est pas loin de compléter toutes les collections. En plus, après, il faudra que j'aille acheter des boosters au PNJ. Cool. Moi, mon but, c'est juste de finir de compléter toutes les collections. Je veux juste finir le jeu à 100%. Ah, what the fuck. Mais vraiment, mec, la chance est incroyable. Non, mais alors là, vraiment, what the fuck, hein. C'est parti. Ok, je ne l'avais pas. Ok, une carte que j'ai en double. Ok, encore une double. Encore une double. Il faut que j'arrive à compléter Sketch, c'est hyper important pour finir le reste. Ok, il faut que j'y arrive. Ok, une de plus. Là, on a plein de doublons, mais c'est pas grave parce que je vais les échanger contre d'autres trucs Sketch. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Sketch 1 qui se termine. Ça fait plaisir. J'aimerais bien qu'on ait le deuxième aussi. Ça régalerait de fou. On va pas se mentir. Voilà, bah, je crois qu'il me manque littéralement une carte, je crois, pour terminer. Je crois qu'il me manque littéralement une seule carte. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais directement utiliser Sketch 1. Alors vous allez voir le truc que c'est. Donc en gros, ça ouvre le classeur du joueur le plus proche et je vais pouvoir prendre deux cartes. On va essayer de compléter Sketch 2. Il l'a. Bien évidemment, donc c'est parfait. Et on va essayer de compléter. Il a pas le héros s'il l'a. On va prendre héros 1 aussi. Voilà, on va hop tout vendre ce que j'ai en double, mais c'est bon. On va re-ouvrir le Sketch 2, ce qui me permet de réouvrir encore le classeur de Colnor et de pouvoir récupérer 4 cartes cette fois-ci. Et ça va me permettre de compléter littéralement bah, toutes les collections quasiment en fait. Hein. Ça. Et bon, héros, on va garder parce que je pense que c'est pas hyper rentable. On va garder, on va prendre loot. Et on va essayer d'en prendre une autre. Et voilà, let's go. Ça me fait plein de scènes de terminer. Ça fait plaisir. Franchement, là, je vais pas vous mentir. Donc ça, je récupère. Voilà, je me mets de la vie en plus. Du coup, donc ça m'ajoute un cœur supplémentaire. Le loot, je peux l'utiliser là, lapin ou pas? Yes. Et ben c'est parti. Et ben du coup, on va récupérer le loot. On va voir ce que ça va me donner parce que j'espère que je vais avoir un petit arc ou un truc comme ça parce que j'ai pas encore réussi à avoir. Je vais acheter des pochettes en diamant. Hein.
goûter, hein. Au point où on en est. De toute façon, dans tous les cas, vas-y, j'ouvre. Ok, une carte que je n'avais pas. On va essayer de compléter le reste. Ça là, je l'avais, mais c'est pas grave. Ça là, je l'avais, mais c'est pas grave. On va essayer de compléter le reste parce que vraiment, j'ai envie de finir. Que des cartes que j'ai déjà pour l'instant. Oh, le coffre qui vient d'apparaître. C'est mon trésor qui vient d'atterrir. On est vraiment à rien de tout terminer de toute façon. Ok, alors j'ai eu un livre sharpness, j'ai eu un livre power 3 que je n'ai pas. Presque assez de diamants pour terminer. Hop, je fusionne tout ça. Je fusionne tout ça, un power 3 et on termine avec un power 4, voilà! Ça fait plaisir! La dernière mission, c'est d'essayer de trouver le diamant qui manque là-dedans. Voilà, il doit y avoir un diamant quelque part. Et ben voilà, le diamant qui manque, il est là, parfait, on a terminé, c'est parfait, c'est parfait, voilà, nickel. Encore un truc parfait que je peux compléter bientôt. Il me faut juste du fer et après je peux terminer mes autres collections, hein. Ah, scène 2 qui est terminée. Let's go, le jacuzzi qui est fini. Encore du diam ici qui est looté, mais c'est incroyable. Et encore un autre, biome 1 qui finit. Mais mec, je vais tout terminer, ça y est. Franchement, ça fait du bien. Voilà, mon stuff est terminé, je suis full stuff. Donc c'est parfait, il me manque juste 2-3 collections à finir. Et j'aurai tout terminé, 2-3 collections à finir. Et on est bon, je suis presque au bout mec, j'en ai 149 hein. Je suis presque au bout, 150, ok. Ok celle-là, oh je l'avais pas non plus celle-là. Ok, 151 cartes uniques, il m'en manque vraiment une vingtaine. Let's go, héros 2 qui tombe. Il me manque 2 cartes héros, il me manque 2 cartes loot, 5 cartes loot au total. Il me manque, bah j'ai tout fini, scène j'ai terminé, sketch j'ai terminé, biome il me manque 2 cartes, bloc il me manque 3 cartes, mob il me manque 2 cartes, mec il me manque tellement rien, non je suis désolé je peux pas y aller, il faut que je mine, oh oui. Let's go, Kira qui finit, oh oui j'ai fini la carte Yami et la carte Kira, trop bien. Oh là là c'est trop bien, il me manque une carte pour finir mob, non je ne peux pas partir, je suis obligé de compléter la collection avec l'eau aussi, je ne peux pas partir. Moi j'ai l'impression de compléter mon Pokédex à 100% là pour vous dire, en fait je trouve ça tellement satisfaisant ce genre de truc, tu sais que tu complètes à 100% comme ça. Et puis le pire c'est que moi du coup j'ai encore tous mes pouvoirs quoi du coup. Les gars je suis à 10 cartes de la fin. Merci mec, t'as pas un PNJ là vite fait là sur le teco là vite fait. C'est pour savoir si t'as encore. Oh merci, merci pour ce PNJ putain. C'est quoi qui me manque? Attendez, il me manque héros, loot, il faut que je prenne loot, faut que je finisse loot, attendez. Je vais finir loot. Biome c'est mort, je termine à 100%. Oh j'ai plus de thunes, j'ai plus d'argent. J'espère que loot va tomber, hein, le bon loot. Hein. J'espère que. Non mais là j'ai que des doublons. Fuck, fuck les doublons. Bah, j'espère au moins que loot ça va. Enfin que biome ça va tomber hein, parce que. Ok, une que je n'avais pas. On est à 9 cartes de la fin. Ok, biome 2 que je n'avais pas. Mec, il manquait 2 cartes, je les ai eu les deux d'un coup. Il manquait 2 cartes dans biome 2, je les ai eu d'un coup. Oh, let's go. Ok, on est vraiment pas loin de la fin là. On est vraiment pas loin de la fin. Il me manque 4 cartes, mec, on est à 4 cartes de la fin. 4 cartes et on a terminé le dex à 100%. 4 cartes, non mais je n'y vais pas. Hein. Je ne finis pas cette game tant que je n'ai pas fini. C'est maintenant, c'est uniquement maintenant ou jamais. Voilà, le héros 3 qui tombe, le héros 3 qui tombe. Ok, plus que 3 cartes et on a terminé le dex. Plus que 2 cartes. Ok, plus qu'une carte. Une carte. Une carte. Ah, il me manque une carte, mec. Une seule carte. Elle est incroyable. Je veux l'avoir. Il faut que je l'ai. Je peux pas m'arrêter à une carte de la fin comme ça. C'est pas possible. Allez, pour le spectacle. Allez, sinon il va falloir que j'en rachète encore. Non, il va falloir que j'en rachète encore. On va pas finir. Il faut que j'en rachète encore. Je vends tout. Je vends tout. Ok, je peux en racheter encore. Allez, jusqu'au bout. C'est maintenant. Il me reste 2 cartes, là. C'est la dernière après, là. Allez. Non. Je l'ai mis en échange. Oh, il l'a mis en échange. Faut que j'en mette une random. Que j'ai déjà eu. Non mais mec, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Regarde. On va attendre. On va l'avoir. On va l'avoir. On va l'avoir à la legit parce que là, si dans 5 minutes personne a échangé quoi que ce soit, normalement je récupère celle qui manque. 171 cartes au total. J'en ai 170. Il m'en manque une seule. Et on aura complété le 100% du dex en 2 heures tout pile. Je tiens à dire quand même que c'est. Franchement, j'ai grave kiffé. Honnêtement, j'ai vraiment surkiffé de ouf. Hein. Mais oui, c'est bon. Et voilà, le dex à 100% complété. Ah, je suis content, on a tout fait. Je suis content. En 2 heures, le speedrun 100% de l'UHC, tout a été fait. J'ai fait le 100% là. Ah là, ça fait plaisir. Du coup, on va récupérer tous les pouvoirs quand même, faut pas déconner quand même. Parce qu'on va quand même les jouer, hein, un minimum. Alors, ces pouvoirs là nous téléportent en avant. Du coup, en vrai, si j'ai pas besoin de me faire chier, je peux faire genre ça par exemple. Voilà, déjà pour commencer. Ensuite, ça me TP du coup loin. Ça change le biome. Donc ça me donnera d'ailleurs Depth Strider 2, donc faudra que j'utilise assez vite. Ça fait spawner des mobs. Et ça, c'est pour avoir des effets supplémentaires dans les fights. Donc autrement dit, ça, on va les utiliser bien sûr. 171, 19 collections sur 19. Ah, je suis content là. Je vais faire les dernières petites gaps qui me manquent. En plus, j'ai pas utilisé mes pouvoirs en soi. J'ai tout gardé, donc c'est cool. Hein. On aura fait le 100%. Et c'est ça qui est cool. Ok, faut que je gère mon truc là. Je sais pas les dégâts que je mets, mais bon. Ok. Oh merde, je me trompais de touche. Oh bah ouais, je vais le contrer je pense hein. Attends, je vais aller dans l'eau hein. Hop là. Allez viens beau gosse. Voilà. Let's go. J'ai fait un kill dans cette game. Wouhou. On a pas fait tout ça pour rien. Par contre j'en ai du stuff en fait hein là. Il y a Omega juste là bas. Je crois qu'il a Torns lui hein, je crois hein. Il a du Torns de fou lui.
Faut que j'aille refaire des pommes. Je vais me refaire des pommes parce qu'en vrai les fights En fait ce qui serait bien c'est que je prenne des pommes en rap, comme ça si je drop de l'or sur quelqu'un, comme ça moi je suis bien. De toute façon Rapidos il manque plus, il y a plus personne hein. on est 5 donc bon. Je pense qu'on pourra pas gagner parce que les autres ont du stuff netherite là et du coup ça va se jouer au stuff hein, vu qu'on a tous tout complété. Sinon franchement on a fait quand même une game intéressante hein, honnêtement. Allez. Allez. Oh c'est quoi cette merde. Je veux sortir d'ici, j'ai 2 FPS. Vas-y viens mon gars. C'est quoi ce merdier? Attends, je suis en train de me faire défoncer par je sais pas quoi là. Je vois rien. Oh, les dégâts de fou que je prends par contre. Peut-être utiliser ça quand même, hein. Oh, je vois rien, c'est horrible. Et je me fais tuer par les mobs là, c'est horrible. Mais... Non mais lui il clean up vraiment là. Non mais... Attends là il y a Firox qui se fight avec Omega. Moi je vais mourir, j'ai plus de heal là. Hop. Hop. Du coup bah il me reste juste, bah je prends juste une pomme et puis, puis on est bon hein. Je vais laisser les autres finir de ce fight et puis comme ça je prendrai le dernier et puis voilà. Omega qui est à, il est à 4 HP contre Firox qui est à 29 HP. Ah ça s'annonce un peu compliqué pour Omega, je vais pas vous mentir. Ah. Eh bah je crois que ça va être la merde. Il m'a donné une gap, il est gentil quand même. Bon si j'avais une gap j'aurais pas joué comme ça hein. J'aurais juste rushé à l'arc, enfin à l'épée du coup. Ah là c'est la merde là par contre. Bon il me reste encore ça. Je vais l'activer. Il me reste plus grand chose là. Allez viens là. Allez viens. Viens les pêches sorties. J'ai pas peur moi. Alors peut-être. Comment ça ils m'ont laissé gagner pour mon anniversaire? Ah non mais je vois pas du tout de quoi vous parler hein. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce petit concept de fraîcheur vous aura plu. Je tenais à vous le partager aussi sur YouTube, même si ça commence à dater, vu que mon anniversaire c'était quand même en décembre. Je compte sur vous pour liker, commenter et partager la vidéo à fond. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous ici et sur Twitch. Et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos Minecraft. Je vous aime fort, à plus.